Bon. Ça va, toi? Personne d'après. Bonjour. Ça va, Philippe? Tu as bien né. La force alphabétique, c'est quoi alors? Vas-y, raconte-nous un peu. Encore? Ah, que tu fais là? Que je suis ici? Oui. Je suis là pour regarder un concert d'abord. Dans la Quel concert? C'est, ouais, vas-y, explique-nous un peu ce que c'est et ce que ça représente un peu. Philippe et moi maintenant, et on va changer encore de nom. On va plus s'appeler Avance Alphabétique. C'est une deux graffiteurs qui ont découvert. Lumière! Ah, il n'y a plus de lumière. Maintenant, on est plus de deux. Bon, la force alphabétique, hein. Vas-y, explique-nous un peu ce que ça représente. C'est la force alphabétique, c'est la force Bastien 1. C'est Philippe et moi, deux graffiteurs qui ont décidé de sortir des murs parisiens et se fabriquer par les kiosques et qui maintenant font des graffitis pour la publicité, pour la télé. Pour la télé? Ouais. Ça marche, alors. Et bien, la semaine dernière, j'étais à Rennes, je suis allé en France. Et il y a une interview qui va sortir bientôt. Et pourquoi avoir changé de nom? Parce qu'on était 5 avant, il y a 3 autres qui ont décidé d'arrêter de peindre, ils ont arrêté de peindre, et puis là ils ont repris, et comme à l'origine le nom vient de chez eux, on leur redonne le nom et on continue avec l'ancien nom. Donc les projets pour l'avenir? Plein de projets. C'est-à-dire? Sinon on doit partir à Cannes, on doit faire deux boîtes de nuit. Toujours en relation avec le rock. Ouais, en relation avec le rock, c'est la grande généralité. Il paraît que vous avez atteint des chiottes de Fahrenheit, est-ce que c'est vrai? Chiottes de Fahrenheit. Ouais. Partout dans les horribles.